this morning, I was just a drop. A single drop. And soon became a river. In this river, hope was born. From this hope rose a raging flood, a tidal wave of change. And if anyone stands against that tide, tonight we will become a revolution. Et bonjour à tous, c'est Dim. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity et je progresse tout de suite dans l'aventure. Pas le temps de niaiser, les copains. Comme d'habitude, pousse-toi, malheureux. Pousse-toi, gamine. Pousse-toi, jeune homme. Petit lag. Bouge pas. Voilà. Oh putain. Eh, le voleur, là, reviens ici. Il y a un coffre vert, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça c'est récupéré, avec des trophées également. Qu'est-ce que c'est? Vous avez accompli deux événements publics sur 15 menés à bien ensemble pour recevoir des récompenses. Oui, okay. Célestine, qui a-t-il? Ah oui, c'est la thune à récupérer. Monsieur, ah ouais, je me demandais super. Si je pouvais prendre mon après-midi. Pour quel motif? J'avais envie d'aller me promener dans les jardins avec une amie. Une amie, hein? Penses-tu qu'une véritable amie te pousserait à manquer à tes devoirs au point de risquer ta place? Je suppose que non. Non, en effet. Eh bien, je crois que les feux de l'étage ont besoin d'être alimentés. Bon, je sais pas c'est qui ce connard, mais il se la pète un peu. Et je vais juste regarder le truc des armements, parce que ça, j'avais pas eu l'occasion de le faire la dernière fois. J'avais tout débloqué, mais j'avais pas été plus loin. Putain, c'est beau quand c'est rénové quand même. Hein. C'est sympa chez moi. On croise le fer. Ok, donc c'est juste le rang en fait. Bon, bah écoutez, on est juste à côté, j'avais tout prévu les copines, on est juste à côté de la mission, on va y aller tout de suite. La mission principale. Ah oui, putain, faut que je retourne, c'est en dessous je crois, chez les assassins. Je t'ai entendu toi en haut, hein. T'as de la chance, je peux pas buter les civils. Oh, mais c'est, comment il s'appelle, Bernardo, bonjour Bernardo, tu vas bien, check, bis bis. Ah, je voulais me moucher, j'ai pas eu le thing. Alors, j'ai acheté des consommables juste avant de commencer dans l'aventure, donc j'ai pas besoin. On se connaît? Non, on se connaît pas, alors tu fermes ta gueule. Bienvenue chez Tony Montana. Bonjour à tous, je suis venu livrer la coke. De la bonne coke. Alors, compte rendu au conseil. Bon, on va voir la note qu'on a obtenue. Vous avez triste mine? Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, mentor, seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de la sœur? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Sivert n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur de la Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement.
Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur de la Serre. Une épingle, fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. Bon, bah voilà, on a une mission, donc ça c'est cool. On va aller chercher l'orfèvre. Alors attendez, je peux pas me téléporter. Ça a l'air d'être ici. Tac, tac. Ah mais j'y suis. Je suis vraiment pas loin. Ouais, faut juste que je ressorte de là. Bonne journée, Arnaud. Fils de pute. Bon, salut Bernardo, hein. Passe le bonjour à ta famille, ciao. Alors, eh bien, on remonte par là, je sais pas trop où est la mission principale, faut que je regarde sur le truc. Tac, 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 elle est où? Elle est là. Tac, donc j'ai quoi à proximité? J'ai ça. Point nomade, c'est-à-dire... Je suis fatigué. J'aime la belle Élise. Quand je me touche, je pense à elle tous les jours de l'année. La belle Élise, ma belle promise qui m'a rejeté à cause de cet enculé. Donc je vais les trouver, je vais les niquer. J'espère que vous avez muté votre son, les gars, parce que c'est affreux ce que je vous sors. Alors c'est sur le toit, comme d'habitude. Ah, oh, ça c'est gratuit. Ah, ça c'est par pure délicatesse. Oh là là, vous êtes tellement faible. Ah, fromage de Bretagne. Ah, attendez, je vais acheter un peu de gouda. Je vais acheter du gouda. Oh, c'est fermé, putain. C'est ouvert le matin. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Bon, il y a du people. Il y a du people. Trouver Germain, brute rendue furieuse, porte crochetée. C'est eux les brutes, hein. C'est eux les brutasses, ouais. Donc écoutez, pour une fois... Ça a marché ? J'ai pas l'impression. Ah, il y a un truc pour sauter ici. Parce que si je le fais de là, comment ça se passe ? Ok. Bon, on les laisse, hein. On les laisse friter. J'ai réussi, là. Ouais, j'ai réussi. Ah, putain, je suis repéré. Oh, comme d'hab. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je rentre. C'est le siège. Oh putain, je m'en suis pris une. Putain, deux dans les fesses. Ouais, mais ils sont énervés, les gars. Ils sont énervés de chez énervés.
Et non, je suis là. Arrête de tousser. Ok, donc ça c'est fait. J'ai pas un truc à ramasser ici là. Ah si, derrière cette porte. Putain, c'est verrouillé. Attends, on peut voir le niveau sur la porte? Ça veut dire niveau 1 ça? Ouais, ça veut dire niveau 1, ça c'est cool. Ok, une sur quatre portes crochetées. Ah, il est là. Voilà. Toujours niveau 1, donc on continue. Ça fait 2. Quoi? Il est où? Ah, il est là. Mais non, mais monte pas! Il y en a un au-dessus. Oh putain. J'ai de la chatte. Oh putain. Oh la détresse, la détresse. Comme d'hab, ça se passe toujours mal. Putain, c'est con, parce que pour une fois, ma technique de je rentre dedans et je fais pas attention, elle est bien... Oh non! Oh non, les gars, vous êtes pas sérieux. Porte crochetée, trouvez Germain, brute furieuse. Faut que je recommence, putain, j'hallucine. On va essayer de pas crever, les gars. Voilà, toi t'es mon pote. Mais non, pas lui. Ok, donc on est bon. Ouh, il y a du monde là. Ça c'est fait. On a toujours notre pote qui se tape en bas. Oh, il est où le Germain? Ok, on va éviter de ressortir, on est bien à l'intérieur. On va recrocheter les portes. Bon, désolé d'avoir recommencé les gars. J'avais pas prévu de crever. Donc une sur quatre, la deuxième elle est où? Parce que je sais pas si c'est utile de le faire ça. Ah, il est juste derrière. Il est juste derrière. Merde. Oh là là, regardez, il me regarde de dehors. Putain. Tiens.
pas par là. Mais comment on fait? Comment fait-on? Faut pas que je ressorte. Faut que je ressorte. Ah non, il y en a une là. Ok, j'ai ouvert toutes les portes. Maintenant, le Germain... Ben, le Germain, il est là. Le Germain, il est derrière celle-là. Voilà, fallait juste ouvrir la porte. Monsieur Germain, l'orfèvre. Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non. Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Bon, bah de retour, parce qu'en fait mon jeu a planté, donc j'ai dû tout recommencer. Donc j'ai bien le seum. Est-ce que je peux y aller en... Germain? Je peux y aller en mode j'attaque tout le monde. Allez Germain, t'as intérêt à assurer. C'est bon là? Oui. Gardez un œil sur les toits. Ils y postent souvent des sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important? Ah, le citoyen! Viens ici! Tu me demandes gentiment, je te tuerai du premier. Je te tiens! Comment ça, aidez-moi, c'est-à-dire... Dépêchez-vous. Oui, bah... Attends, elle est où, la vie de Germain? Parlez à Germain. Putain, j'étais même pas obligé de me les taper. Ok. J'arrive, Germain. Putain, mais t'es où aussi? Ouais, mais toi aussi. Trop éloigné de la cible. Oh, mais la loose intégrale. Mais y a pas un let's play, un épisode que je fais correctement, quoi, sans crever.
C'est ouf ça. Germain, changement de plan. Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule. Seigneur Dieu, qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Ok, on est bon. On l'a récupéré, on se casse. François Thomas Germain. Ah putain, moi l'histoire de France, c'est pas trop ça. Hein. Par contre, putain, j'ai plus rien pour me dissimuler maintenant. Attends, Germain. Germain, deux secondes. J'achète le consommable. Germain, j'ai été repéré. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je ? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale, d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert ? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver ? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui ? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Bon, et ben voilà, mission terminée. Bah écoutez les amis, comme j'ai fait, j'ai dû faire une coupure montage du fait que le jeu est planté. Je sais pas exactement où j'en suis au niveau des minutes dans l'épisode, mais dans tous les cas, on va se laisser là. L'épisode prochain sera plus long si celui-ci est vraiment trop court. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si l'épisode vous a plu, voire à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude. Et je vous dis tous à très bientôt. Ciao tout le monde.